Je dis à Malmouto comment capable appliquer pour un travail dans UPS. Tout le monde connaît UPS, un grand employeur, un grand magasin. Tout le monde a travaillé là, tout le monde capable d'une attention, un employeur, même gens avec Amazon, FedEx, paquet l'autre encore, capable d'une job là dans quoi. Mais Malmouto comment capable faire ça rapidement pour capable appliquer pour capable d'une travail là dans quoi. Ok. Professeur Kizan, nous allons aller sur Google. Cliquez sur Google. Là, il y a sur Google la question à faire, on est écrit UPS. Well, on est écrit UPS et puis toute information qui est à monter. On est écrit UPS Garrison. On clique sur l'option ça là. Cliquez sur lui. Et puis le logo est à monter, tout bagaille correctement. Ok? Donc, on est capable de cliquer là sur le côté qui dit job. UPS.com, ça va le dépend. Voilà, toujours à côté là, marqué full time job. Ça est important en pile. Le point full time là, ça veut dire que vous travaillez. Vous voulez travailler en pile temps. Vous voulez travailler 8 heures dans quelque chose, ça va le dépend. Ok, ok, qui va cliquer sur full time. Ok, on clique sur full time là, le nouveau là, on fait ça comme ça. Ok, alors vous en faites ça comme ça, mais reste tout ça, c'est job, il y a des motos qui l'ont dans la côte. Ok, tout ces job. Et puis, c'est à dire qu'on se voit lancer ça là, côté qui dit recherche job là, cliquez sur les là. Ok, alors cliquez sur les là, sur recherche job là, qu'on a qui ça, vous pouvez mettre au cap, vous pouvez mettre nom ville, ou sinon code zip, voilà, pour chercher travail ça en l'air. Alors, on peut mettre petit travail là, comme il là, ou même on peut mettre. Et ville voilà code zip voilà, ou sinon ville voilà kaiwa. Et bien pour effacer ça, on met des code zip voilà kaiwa. Ok, on met des code zip ça. Oui, tout le temps ville qui tout monté à toute ville là, on clique sur lui. Bon, si vous voulez capable mettre petit plateau petit travail en l'air, si vous voulez capable quitter le concert. Ok, l'on fini là. Ok, on clique là sur recherche job. Il doit chercher travail dans zone dans ville là voilà kaiwa. Ok, c'est vite mettre mes dates, on a là tout ça, c'est job qui dans zone bon la caille. Ok, si me le mettez en alerte tout quand mettez en alerte là, alerte là veut dire alerte là dit ou le dit ou poster pour n'importe travail qui est dans zone bon la caille ou dans ville ça, il y a tout fouillé bas. Depuis on est là qui travaille là, il y a tout joignou quoi que m'appelle ou bas ou par email ou sinon par téléphone. Ok, un message. Ok, soit pas un job qui souligne là. Ok. Ok, là les job ça son job un driver, ça c'est mon pour qu'on conduit. Ok, job ça c'est local et superviseur, job ça c'est pour chef. Ok, job ça superviseur encore, ça c'est pour chef. Ok, un superviseur, ça c'est pour chef encore. Ok, un driver c'est pour mon qu'on conduit. Ce doula là, même bien ce doula là qu'on est capable de venir là, ou cliquer là pour mettre une alerte. Ou cliquer là. Vous cliquez là, vous mettez en lettre. Vous mettez toute information. Vous mettez 225 jobs, vous mettez catégorie job là, vous mettez dans le côté à toute base, ça y est, comme ça. Vous faites toute base. Là, vous mettez catégorie des titres de travail ou besoin ou chercher. Ok, tout ça, c'est des titres de travail. Mais vous mettez tout ça là, correctement, ou dites, mais qui titre de travail va chercher. Ok, ça c'est parti en bas, ça c'est parti dépôt. Ok, on va cliquer sur dépôt là, comme ça. Donc, si vous pouvez choisir n'importe des options, tout ça va dépendre de qui genre de titre de travail vous cherchez. Ok, ok, vous n'avez pas gagné pour dépôt pour le moment là. Ok, là, vous cliquez sur là, et vous pouvez cliquer là, ça vous dit full. Ok, vous avez déjà mis à l'aide là, vous avez là, après vous cliquez là. Encore sur le résultat qu'on a évalué tout bas où l'on a travaillé ça correctement. Ok, mais pour faire pour montrer comment vous êtes capable d'appliquer, moi l'appliquer dans ça, vous êtes capable de montrer. Ok, vous cliquez là sur appliquer. Ok, là vous cliquez là sur appliquer, vous êtes capable de lire tout détail ça en bas là correctement. Ok, donc finir, vous comprenez, ça c'est l'adresse de travail que vous avez lié. Ok, et pour cliquer sur appliquer encore. Ok. Là, je vais là, cliquer sur appliquer là, qui soit peu après tout détail, ça, vous capable de lire encore, discussion de travail là, pour voir, gens travail ou à le faire, comment il fonctionne, bah, ça, ok, on lit tout normalement, on comprend,
Après, on vient aller là, on dit appliquer encore. On a une bonne fenêtre ça. Et on demande quelle façon on veut appliquer. Si c'est avec CV, si c'est avec qui sans CV, on veut appliquer. Vous pouvez manuellement application. Si avec application, vous voulez manuellement, vous téléchargez l'application pour appliquer. Ou bien si c'est manuellement, on va pas appliquer en ligne. Ok, on dit en ligne, on va appliquer la première en ligne, manuellement. Ok, là, il y a une fenêtre ça, une fenêtre ça, on a là, demande là, est-ce que tu comprends déjà? Si tu comprends déjà, on met Gmail là, mot de passe là, si tu connais aller sur lui déjà, on te fait un compte avec lui, on te connaît déjà, on déjà mettre Gmail là pour connecter avec lui. Mais si tu veux qu'on compte sur lui du jour, du tout, on va prendre une des options, on va dire créer un account. Voilà, créer un account, cliquez là. Ok. Quand là, on clique sur l'account, là, qui s'appelle, il met Gmail là, mot de passe, confirmer, mot de passe là. C'est ça le mandou là. Après ça, on va cliquer là sur accepter condition, yes, accepter condition. Après ça, on clique là côté qui dit créer un account. Mail, mot de passe, confirmer tout ça, par exemple. Ok, mettez mon Gmail. On va mettre un mot de passe. Ok, là, vous mettez Gmail ou mot de passe pour créer un compte là. Et vous revenez là, on dit yes, accepter les conditions. Après ça, on dit créer un account. Ok, si vous voulez un capable de style. Ok, lorsque vous avez un compte là, vous dans la phase ça comme ça. Ok, là, vous dans la phase ça comme ça. Vous avez là, deux, vous avez 6 étapes là pour être capable de remplir. Ok, là, vous choisissez et collège, et université, ou bien ça, qui n'a qui l'école, ou bien ça, ou qui n'a qui niveau, ou bien ça. Ok, là, ça, vous allez choisir ça. Ok, si c'est un. L'école, université, où y ben ça, si c'est, ben ça, oui, ça va dépendre de vous-même. On choisit une option. Ok, si nous avons dit qu'on a mis en créole, on va comprendre bien. Et moi, tout va parler anglais à tout. Ok, ok, là, il y a là, est-ce que vous avez déjà travaillé pour IPS déjà? On dit, sur le travail, on dit non, sur le travail, on dit non. Si c'est la première fois, on dit non. Ok, là, il m'a dit, un pays, territoire, États-Unis. Vous pouvez quitter là sous États-Unis, non, Amérique là. Ok? Ou sinon, vous pouvez quitter là sous. Vous pouvez mettre sous États-Unis, tout États-Unis, Amérique, États-Unis. C'est parce que. Ok? C'est États-Unis, nous quitter sous États-Unis. Ok? Là, vous mettez le nom légal là. Ok, vous pouvez mettre le nom légal là, quelque chose comme ça. Là, vous mettez le deuxième nom. Second deuxième nom, mettez là. Non, non, premier, c'est non. Là, vous mettez signature. Deuxième nom, second deuxième nom. Là, mettez signature. Bam. Ok. Là où tout moins gagnant non préféré non on va dire non moins pas gagnant préféré ok on va pas quitter ça comme ça vu comme ça là où vous mettez une adresse vous mettez adresse où bah ça ok là on va mettre numéro Kaiwa directement ok ça c'est le numéro là ça c'est le numéro Kaiwa vous mettez le comme ça ok. Là, vous mettez ville, là, vous mettez ville, vous mettez là. Même ça, vous mettez là sur l'information. Moi, je mettez là-dedans, ok? Mais au moins, vous pouvez mettre l'autre information. Là, vous mettez état, vous devez vivre là. État, vous cliquez là. Vous pouvez cliquer là pour chercher état, ok? Ok, on va état maintenant. Ok. Là, vous mettez code postal, vous pouvez mettre tout le code du plateau. Code du plateau, vous mettez 5 chiffres là-dedans. Comme ça. Après, ça descend le biba. Là, vous avez le numéro de téléphone. Vous cliquez là. Vous cliquez là pour choisir qui type de téléphone on choisit. On a dit mobile, vous choisissez mobile, ID téléphone, fixe ou bien. Okay? Et puis là, vous avez le code téléphone pays. Téléphone PIA, c'est le qui là, il doit mettre les États-Unis, et puis là où il doit mettre le numéro de téléphone, on va mettre le numéro de téléphone là.
Ok, là, on doit vous confirmer extension de mon téléphone. Donc, on va mettre même là encore. Il n'y a pas de problème. Ok, lorsque vous mettez toutes les informations là, vous pouvez cliquer en bas là, on va le dire, sauvegarder et puis continuer. Continuer. Ok, on a ramené dans le sous D là, là il fait là, il y a deux expériences travail, ok, ajouter expérience travail, mais il y a deux obligatoires, ok, éducation, ajouter là, quelqu'un, là il y a deux résumés, ou quand il y a deux capables, on CV, aller quelqu'un, c'est pas ça, il y a deux là, il y a deux sous un site web, ou capable de mettre un site web là, incorrectement, mais un site web là, pas obligatoire dans le même moment, ouais. C'est ça, CV obligatoire pour remplir. Et bien, éducation pas obligatoire, mais expérience là obligatoire. Vous cliquez là pour remplir, il y a deux kits de travail, on va le faire correctement. Exemple, que j'aime mettre là. Ok, je vais mettre exemple travail ça. Là, il y a un kit de travail, vous pouvez mettre un nom et blesser à quelqu'un. On va mettre un nom. Ici, vous pouvez mettre un nom. Mettez un nom ça, YouTube. Mettez un nom côté pays aïe. Mettez. Ok, qu'on y a au cas du tout qu'on y a moins travail ici là, vous cliquez là, vous dites oui qu'on y a moins travail ici là. Ok, là dit qu'on y a moins travail ici là, on a une description relou, description relou obligatoire sorti là, on va mettre une date, ça va dépendre, on va mettre là, on va vous mettre rôle description travail là, on va mettre un nom, ça va dépendre. Tout ce qu'on a mis là, ça n'est pas obligatoire, mais sur le cas de remplir correctement. Mais CVA, un dollar, dossier CVA, obligatoire pour remplir, vous cliquez sur le lit. Là, vous pouvez pas vous voir un CVA. Ok. Ok, c'est vrai, ça a monté là, vous voyez en pièce, allez, ok. Là, vous voyez ici, tout près d'où pas gagner quelqu'un, ok. Après, vous cliquez là, sur continuer. Ok, je vais dans la troisième étape là. Ok, là, il doit être 18 ans. Est-ce que 18 ans, cliquez sur lui. On dit oui, vous avez 18 ans. Deuxième étape là, est-ce que vous avez une famille qui a perdu dans l'IBS? Déjà, on va dire non sur le programme, mais sur le monde, on va dire oui. On dit non. Ou besoin, mais ou besoin parentage pour travail aux États-Unis. On va dire non. Partage la vie, ça dit sous besoin d'aide. Est-ce qu'on va demander IPS qu'on y a, ou soit dans l'avenir, patron, yo, dossier immigration pour travail. On va dire. Soit elle dit pas, pas si ça le dit. Sûrement que quelques documents ou pas que tout document travail honnête, là on va dire oui, là on va dire oui au besoin, et on va le faire, et on va le faire comme la contacter CIS pour répondre au reste document ça rapide. Mais si on a tout document travail dans le monde déjà, on va cliquer, on va dire non. Ok, là est-ce que vous voulez travailler horaire spécifique si ça applicable, on va dire oui. On va dire oui, je vais chercher. Ok, on finit là, on clique là encore, on dit continuer. Je dis que je vais remplir. Est-ce que c'est un employé? Si y a est-ce qu'on y a? On va dire non. On peut cliquer sur continuer. Ok, et bien, on a fait ça comme ça. Ok, on va dans la quatrième position là. Ok,
La démolition, bien voilà, il vous le dit ça, il est tout correctement, ok? Pour un son pour lui, ok? Tant pour y confirmer et statut vétéran, ok? Vous cliquez là. Statut vétéran. Est-ce que vous travaillez dans. Est-ce que vous travaillez. Est-ce que vous êtes un monde qui fait partie américain, un militant, vous travaillez dans un vétéran militaire, bah, ça, yo. Si ça y est, moi, là, tout ça y est, d'où, on est capable de dire, moi, pas, j'aime servir là ou quoi ça, moi, pas, j'aime travailler là-dedans. Là, de temps, puis, choisis sexe ou. Sexe ou si son garçon ou son fille, ou un garçon, même si son fille ou une fille, est-ce que ou, panyol ou soit la latino. Là, d'où, sous son panyol ou bien latino, un petit nom, ou pas un panyol. Là, il y a temps pour choisir race ou. Choisir race ou, cliquez là. Ok. Là-haut, il faut choisir race ou. Là-haut, il y a un autre barre pour choisir là. Point noir ou soit Afrique américain. C'est cette option ça pour choisir, soit haïtien. Ok. Et qu'on finit là, on a besoin ça, c'est obligatoire. Ok. Pas encore. Ok, on finit l'île. Et vous cliquez là, vous dites oui. Moi, je lis et moi, je comprends, moi, d'accord, à condition de cliquer là. Après, vous cliquez là sur continuer. Ok, quand on a arrivé là, voilà, on a rempli 5 étapes. On a arrivé dans la dernière étape. La dernière étape là, il faut remplir. Et de indiquer un jardin obligatoire. Sur quelle langue? Sur quelle langue vous êtes capable de contacter vous? Si vous parlez anglais ou anglais, si vous parlez espagnol ou pas espagnol. Donc, parce que c'est deux langues, vous mettez là, espagnol, anglais. On prend espagnol, espagnol là. Ok? Après ça, vous cliquez là. Là, il me donne non. Ok, il m'a donné nom, il m'a donné un ID employé si ça applicable. ID là, il m'a donné un ID employé si ça applicable là, ça veut dire que vous avez un numéro social, vous avez un numéro 4, ça ne parle pas. Ok, numéro social ou numéro 4, et lui m'a donné pour mettre là. Mais de si ça applicable. Ok, mais vous ne pouvez pas mettre le cognato, vous avez choisi, et là, vous avez travaillé là, vous avez un ok. Là, il m'a donné une date. Pour qui ça, yon mande ou rempli forme ça. Yon ka ba yon date. Oh, tout ça, on fait la marge en piano, c'est date entrée. Yon dit, yon rentre, yon date entrée, date entrée, fait application. Yon dit à combien? Yon dit à 4. Ok, yon dit à 4. Yon dit à 4, mettez 9, et vous mettez 4, et vous mettez là. 2024, ok. Ok, là, ok, là, bon, on y a, et t'as juste dit, de me mettre. Ok, là, on fait toute étape, ça, ou la timon, on va cliquer là, sur continuer, well. Tout bas, là, on fait tout bas, correctement. Et, well. C'est 1, 2, 3, 4. Pour confirmer. On fait là, on clique là, sur continuer. Ok. On a dit mon niveau dernière étape là, ouais. Ça c'est toute information là, beaucoup là pour lire, pour est-ce que tu mets tout bien, tout bien ça normalement, mais ouais, tout ça, toute information net. Ok. On a dit ça les dit que là on est soumettre application et puis toute bagarre déjà fini, déjà appliqué là, Timon pour jeune job ça, correctement pas rien encore, ouais. Dernière étape là, c'est lui qui là. Moi-même, moi pas fait dernière étape là. Si me fait soumettre là, ça dit moi accepter. Et ma application n'a pas aller dans le travail directement. Même pas faire, même pas besoin. Ok? Et ça fait, même pas faire, soumettre là. De vous faire soumettre, ID dernière étape là, ou enregistrer tout bail, ok? Tout bail est fini. C'est qu'on soit capable d'appliquer au moins, l'on y aura, on y fait soumettre, et puis tout bail est appliqué. Ou même qui est content, vidéo, ça me dépêche de voir comment on va appliquer. Dans le job ça qui soit fait. On va mettre une vidéo ça dans le favori ou pour l'autre besoin, pour capable de faire ni encore. Et puis tout partager la vidéo ça, bah, on l'autre monde qui a besoin. Parce que c'est celle qui a besoin de travailler là. Ok? Ok, c'est là que je vais faire la vidéo. Ciao, ciao, n'apprenez bien encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.